L'inspiration artistique de ce village millénaire de sculpteurs que nous allons voir tout de suite est le fruit de la contemplation de l'univers, de son intime relation avec la nature, avec la lumière, avec la routine quotidienne du soleil et de la lune, qui en silence gardent mystères et secrets, même ceux des entrailles de la terre. L'influence des cinq éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre et l'éther ou prana, rendent éternel l'héritage que conserve Saint Agustin. 1757. L'Espagnol Fray Juan de Santa Gertrudis est le premier à mentionner, dans son œuvre Merveille de la nature, les vestiges d'un peuple déjà disparu à son époque. Dans cette région vivaient alors les peuples autochtones Osocuaygo, Uyumbe, Mulales, Ajíes, Totalco et Laboyos, entre autres. Aujourd'hui, San Agustín, municipalité du département de Huila en Colombie, est une région prospère, accueillante, riche en biodiversité, qui enchante par son paysage et surprend par sa richesse archéologique, patrimoine historico-culturel de l'humanité. Située dans les confins nord du massif colombien, elle est protégée par le mont de la Horqueta, les Paramos de Cutanga, el Cerro Negro, San Alfredo et San Ramón, le pin de sucre et à côté, le pic de Palatera ou Chargatón. San Agustín se considère un mystère desde el punto de vista. On considère San Agustín comme un mystère du point de vue profane et scientifique, de par l'importance de la présence de la sculpture. Il est impressionnant de se retrouver face à ces sculptures, étant donné leur iconographie, la signification de leurs personnages et leur aspect monumental. Ici récite leur mystère. Il existe dans le monde des lieux particuliers où la nature, l'énergie et les monuments dégage des sensations de paix et d'harmonie physique et spirituelle. La culture de San Agustín détient un grand mystère puisque, malgré les grandes recherches qui ont été réalisées dans les domaines de l'archéologie, on n'a pas encore pu dévoiler sa vraie culture, sa cosmovision, son organisation sociale et d'autres aspects de ce groupe humain. Elle est aussi un mystère dans la mesure où l'on sait très peu de choses à propos de la disparition de ce peuple de sculpteurs de cette région du massif colombien. Pas de traces d'écriture, mais un message symbolique immergé dans la beauté et l'expression de leur art. San Agustín y la cultura Uyumbe, como yo la llamo. San Agustín et la culture Uyumbe, comme je l'appelle, avec ses grands statues, est une énigme que jusqu'à maintenant personne n'a pu déchiffrer. Malgré les similitudes, malgré les analogies qu'on peut établir entre ces statues et celles d'autres pays et d'autres civilisations, personne n'a jamais pu savoir qui étaient ces artistes, d'où ils venaient et où ils sont partis. Il semble qu'ils soient seulement venus préparer leur passage à une autre réalité dont ils avaient connaissance. L'au-delà est présent ici, la porte ouverte à d'autres dimensions, à des états de conscience supérieurs. Bon, c'est quelque chose de mystérieux. Beaucoup de chercheurs sont venus et ils n'ont jamais pu savoir d'où est venue cette culture, comment elle a disparu, comment ils ont fait pour le transport des matériaux, parce qu'il y a des sculptures qui pèsent jusqu'à 12 tonnes et quelques. Pourquoi, avec une telle maîtrise et un tel maniement de la pierre, ils n'ont pas construit d'habitat permanent, comme les Incas ou les Taïrona? Si, comme le montre ici cette sculpture de 4,20 m, ils mouraient, mais ils y naissaient aussi. Ou les amenait-on ici pour qu'ils naissent et qu'ensuite ils revenaient y mourir? Visage souriant, aux gueules félines qui impressionnent. L'esthétique, l'élégance,
La hiérarchie sont présentes dans ces personnages, comme dans cette sculpture de 3 mètres. Le plus mystérieux de cet art de San Agustín, c'est que son essence, son enchantement et son énigme sont toujours là. Elle continue d'être un site archéologique à découvrir et à interpréter, puisqu'il reste à en découvrir 70 ou 80%. Dans les entrailles de la région se cachent toujours de nombreux indices de son passé, de sa connaissance, de ses croyances et conceptions. Les chercheurs qui sont venus ici à San Agustín n'ont pas pu élucider qu'est-ce que San Agustín. Les dernières recherches qui ont été menées dans la région notent que ce qui ressort de l'estatuaire est une expression mythopoétique, c'est-à-dire qu'elle montre une pensée cosmogonique, pensée que détient réellement le chaman. Leader du peuple, maître, il est le médecin. La personne qui entre en relation avec les éléments de la nature. Cette personne, avec ses connaissances, a représenté sa cosmogonie dans l'estatuaire. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui en utilisant les méthodes aborigènes et les manières de voir les réalités de la nature et du cosmos, et ainsi comprendre la pensée de cette culture et de cette époque. Ils ont réalisé que leur existence faisait partie de l'univers et que l'essence de leur être s'est développée par la sagesse. Comparativement, la statue de San Agustín siempre nos lleva a establecer. Si on compare, la statue de San Agustín nous amène toujours à établir des relations avec d'autres cultures du monde. On peut parler de la structure lithique. Par exemple, dans le sud de l'Angleterre, à Stonehenge, avec ses hôtels et ses centres sacrés. Ou rapprocher les monticules de San Agustín des monticules de Montville dans l'Alabama aux États-Unis. Ou encore les manifestations iconographiques de San Agustín de l'iconographie de la Mésoamérique. On peut prendre l'exemple de l'aigle qui est un protagoniste dans l'iconographie de ces deux cultures. Le caractère monumental des sculptures de l'île de Pâques au Chili nous amène toujours à établir des comparaisons avec la culture de San Agustín. Mais quoi qu'il en soit, il faut tenir compte que la recherche nous montre qu'il y a eu contact entre celle-ci et les cultures lointaines que nous évoquons, puisqu'il y a des traces iconographiques de ces cultures à San Agustín, et particulièrement de la culture mexicaine. Ou avec des cultures plus lointaines du continent, comme les aborigènes d'Australie. Avec l'Afrique, avec ces gorilles qui n'existaient pas dans cette partie du monde. Avec l'Inde, les traits des yeux, leur pratique de yoga, comme dans ces kriyas que ces personnages paraissent réaliser en avalant et en rejetant un morceau de tissu dans une posture adéquate. Ou par le moyen de ces plantes sacrées comme le yagé, qui nettoie l'organisme et conduit à des états seconds.